Bon, bah écoutez, c'est déjà le début de la galère. YouTube ne fonctionne pas. C'est quoi cette arnaque? Va se refaire Médusa. Je vous garantis pas qu'on réussisse à l'abattre. Hein. Alors, Y. Très soft Dark Souls. C'est pas faux. J'ai dit qu'il y avait un côté. Oh putain, ça commence. Elle a buté sa sœur. Sans pitié. Oh putain, oui. Oh putain, d'accord. Elle me ralentit, cette connasse. Bon, ça va, j'ai l'impression que je suis overpower. Je vais fuir, je vais fuir. Mais non! Ah les gars. C'est parti sur un truc à la Dark Souls. Bon, je vous ai montré Médusa, je pense qu'on va passer à la fin du jeu. On est pas dans la merde, moi je vous le dis. Et quand elle fait son laser, c'est là où je dois l'attaquer certainement. Ouais, c'est pas mal, je me fais plus toucher là. Pour le moment, ça va. Ça y est, elle ressort ses sbires. Putain, ses sbires, j'ai plus de flèches. Allez, il y en a 4 maintenant. Non, mais c'est sérieux là? Bon, on est foutu. Elle est trop au level. Je suis trop gourmand. Je suis que level 47. Et j'essaye de me friter à un truc trop élevé pour moi. On a passé la nuit à combattre, les gars, c'est officiel. Le jour se lève. Le jour se lève. Ah, je peux m'en faire dans le menu pause. Ça, c'est un bon viewer qui m'aide, les gars. Merci Coco. Effectivement, je crois qu'on peut confectionner des flèches. Oui, effectivement, dans l'inventaire. Ça, c'est un bon viewer. Merci Coco. Merci Coco. Mais oui, on peut en fabriquer. Je vais fabriquer le max. J'en ai combien de bois et tout? 226. Donc là, il faut deux bois et là, il faut un bois. On va d'abord prioriser fabrication auto. Fabriquer un max. Deux bois, un cuir. J'ai pas beaucoup de bois par contre. On va favoriser les flèches normales. Merci. Merci, Coco. Ok, on est pas mal. C'est parfait. Ne pas avoir peur de l'attaquer. Mais non, mais pourquoi elle me touche? On va d'abord recharger quand même. Mais d'où elle m'a touché? J'ai les nerfs comme pas possible, les gars. J'ai passé une heure dessus, les gars. Rest in peace. J'ai passé une heure dessus, les gars. Ah, on va d'abord recharger quand même, hein. Une seconde après, désynchronisation. Là, je l'ai battu. Ouais, ben c'est ça, je l'avais bien battu avec cette sauvegarde. Bon, si on faisait des quêtes un peu plus scénaristiques, j'ai envie de dire.
Putain, on va se taper 600 mètres de nage, les gars, je vous avertis. Hein. Tu te souviens, Anto, du Kenway Manodou? 600 mètres. Vous avez le temps d'aller aux toilettes. Donc, je nage. Bon, allez, trouvons le frère du charpentier et libérez-le des pirates. Elle m'a cramé ou pas? Je suis cramé ou pas? Je suis cramé ou pas, les gars? Je ne crois pas que je suis cramé. Je suis cramé. Ouh, ça défouraille! On va défoncer des mecs. Parce que ça fait plaisir. Faut que je m'occupe du chien. Je suis empoisonné. Je m'occupe du gros aussi. Voilà, le gros est mort. Parfait. C'est lui qui m'empoisonne, ce bâtard? Eh, c'est nerveux, hein. On peut dire ce que vous voulez, mais c'est très nerveux, quand même. C'est un ennemi ou c'était un esclave? Moi, je les bute tous. J'en ai rien à foutre. Alors, comment il est, le chien? Et le chien, on dirait qu'il est en pause, sans déconner. Regardez-moi ça. On dirait qu'il est en pause, le chien. Ça, c'est les jeux Ubi, les gars. Mais il s'est assis. Allez, on va libérer le pirate. Alors, mettre le personnage captif en sûreté. On va reculer de 30 mètres et il va être en sûreté. C'est ton frère qui m'envoie. Ah, Célina. Il faut toujours qu'il envoie quelqu'un faire le sale travail. Je suis dans quel état? Tu t'en remettras. Tout va bien se passer. C'est gentil. Tu mens très mal, mais c'est gentil. Quel message veux-tu que j'apporte à ton frère? Dis à mon crétin de frère que je... Ah ben, il est bien ton message. Tu n'es pas mort en vain, très cher. Je vais te donner à manger aux requins. Tu en seras que bonifié. Merde, comment on fait? Adieu. À manger aux requins. Regardez-moi le corps. Il bug dans les vagues. Regardez, vous avez vu comment il se soulève? Ça, les jeux Ubisoft. Regardez-moi ce bug. C'est trop bien fait. Va nourrir les requins, chacal. Bon, on va aller rendre compte au charpentier. Il est à 10 000 km, donc croyez pas que je vais y aller à la nage. Je serai capable de le faire. Où est-ce qu'il est? Il a survécu. Qu'est-ce que je fais? Je mens ou je mens pas? Alors, El Diable, il m'a dit de mentir. Il a survécu. Vous êtes tous des menteurs dans le chat. Eh ben, on va mentir. Pour rester en vie, il a accepté de travailler pour ce pirate. Sinon, il l'aurait tué. Je regrette. Je n'ai rien vu. Quoi? Il serait mort plutôt que de se joindre à des pirates. Notre père a été tué par des pirates l'été dernier. Depuis, il hait tout ce qui touche à la mer. Échec de la quête. Ça m'apprendra à mentir. Partons dans une nouvelle aventure. C'est parti. Il n'y en a plus beaucoup de quêtes. Hein. Aurais-je tout fait? Ah, il y en a une ici. Bon, on va tenter celle sur l'île de... comment ça s'appelle? Thasos. Allez, c'est parti. On va tenter celle-là. J'ai choisi vraiment au pif, les gars. Se passe quelque chose. L'école des coups. Du point non, mais un bon coup de pure. Idiot, je vais revenir. Vous ne pourrez pas me chasser éternellement. Je réussirai à entrer. Tu as l'air forte. Tu peux m'aider? Ça dépend de ce que tu veux. Des informations. Solon, mon frère, a disparu depuis des décades. Personne ne m'écoute. Ils disent qu'il est parti. Mais il ne m'aurait pas laissé seule. Non, il sait que je déteste rester seule. La dernière fois qu'on l'a vu, il s'entraînait dans cette école. Je suis sûre qu'il y a un lien avec sa disparition. Dis, tu m'aides à découvrir ce qui lui est arrivé?
Allez, on va enquêter. Et tout le monde se perd dans ce jeu, j'ai l'impression. Merci. Ne me remercie pas encore. Je fais payer cher mes services. Quoi ? Tu demanderais de l'argent à une enfant ? Tout a un prix dans la vie, rien à foutre. Contre-paiement, oui. Mystios ! J'ai quelques drachmes, mais tu devras d'abord apprendre ce qui s'est passé. Alors, je vais revenir et on va trouver ton frère. Dépêche-toi. C'est trop calme par ici sans lui. Si tu viens pour t'inscrire dans mon école, je crois que tu as 10 ans de retard. Dommage. Tu dois être celui qui entraîne ses athlètes. Tu ne sais pas qui je suis ? Eutymos, maître entraîneur olympique. Grâce à mes enseignements, mes élèves s'emparent de la victoire aussi facilement que Théagène a pris la statue de bronze de Thasos. Tout le monde sait qui je suis. Je n'avais encore jamais entendu ce nom. Tu te souviens d'un ancien élève du nom de Solon ? Tu crois pouvoir te montrer ainsi dans mon école et poser des questions comme une esclave insolente ? Je te reconnais. Tu étais aux Jeux Olympiques. Tu es la championne, j'en suis sûr. Oui, je suis la championne. Oui. C'est bien la championne olympique que tu vois. Reprenez l'entraînement. Tu es incroyable. Dis-nous ce qu'il faut faire pour devenir... Utilise lui raquette de Johnny Cadillac. C'est exactement ça. Vrai champion a besoin d'une pause qui en impose. Comme ça. Une pause qui en impose. Ma pause en impose beaucoup plus. Affronte-moi comme une vraie guerrière. Ah ben on va affronter Eutymios, puisque vous l'aimez bien. Je vais tâcher de ne pas te briser tous les os. Ah ouais, tu veux briser les os. C'est moi qui vais te briser les jambes. Viens là, tonton. Level 48 quand même. Ah ouais, d'accord. Oh, les traîtres. Ah ouais, il y a ces enfants qui viennent se battre après. Oh, il y a du professionnel gaming là, ça y est. Il est de retour, le professionnel gaming là. Ouf. En sang. Regardez-moi comme il fait la caguette. Il a réduit à néant ma renommée. Comment vais-je trouver des élèves maintenant ? C'est ton orgueil, le fautif. Je n'y suis pour rien. Rejoignez-moi à bord, bande de chacals. Des guerriers me seraient-ils ? Ça alors ? On va devenir des guerriers !